Regardez cet ascenseur, les amis. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton qui est ici. Et regardez, hop, l'ascenseur commence à monter. Ce sera le tutoriel aujourd'hui. Donc les amis, likez, partagez et abonnez-vous. Et le tutoriel commence tout de suite. Donc les amis, pour commencer, vous aurez besoin de 2 pistons, 5 pistons collants, 4 observer blocs, 8 blocs de slime, 4 blocs de votre choix et 4 d'obsidienne. Ok. Donc, ensuite, et aussi, il va falloir 2 boutons. Donc, moi, je vais prendre des boutons en chaîne et n'importe quel bloc. Je vais prendre du quartz. Donc pour commencer, vous prenez les 4 blocs d'obsidienne et vous les posez comme ça. D'accord? Puis vous prenez un piston, vous mettez un ici, un autre piston collant juste à côté. Ensuite, ici, 2 blocs de slime et OK. Donc ensuite, vous prenez un bloc, un piston et vous faites la même chose. Piston collant et ensuite piston normal puis piston collant. Ensuite, vous mettez 2 blocs de slime. OK. Donc ça donne ça. Donc ensuite, vous cassez les blocs d'obsidienne ici et vous creusez 2 blocs. Puis vous posez ici des blocs de slime et ici les blocs que vous avez choisis. Enfin, pas de ce côté, de l'autre. Parce qu'il faut faire attention selon la rotation des pistons. Il faut faire attention à ce que ici, par exemple, le piston en bas, et ben il soit à gauche, pas à droite. Donc, vous creusez les blocs comme ça. Puis, vous posez slime et n'importe quel bloc. Donc, slime et n'importe quel bloc. Ensuite, ici, vous posez 2 slime et 2 blocs. Donc, 2 slime, slime et 2 blocs. Moi, j'ai choisi le diamant parce que, vous savez, le diamant, c'est beau et ça nous donne un air de riche. Maintenant, cette place, ce sera l'ascenseur. Aussi, vous pouvez faire genre un truc, vous faites la même chose vers la gauche. Comme ça, quand vous appuyez sur le bouton, il monte les 2. Et faites comme vous voulez. Moi, je préfère garder comme ça pour ne pas faire tout n'importe comment. Donc ensuite, vous prenez l'observer bloc. Vous le mettez là. Donc, vous le prenez et vous le mettez juste là. OK. Ensuite, vous venez là. Et vous posez un autre observer bloc juste en dessous. Comme ça. Et donc, ça donne une structure bizarre, mais bon, ce sera l'ascenseur. Ensuite, vous prenez un piston collant de face comme ça, face vers là-bas. Ensuite, vous montez ici, vous mettez ici, vous prenez un observer bloc et vous en mettez un juste devant le piston. Donc le piston collant est là et vous le mettez juste dessus. OK, c'est comme ça. Donc, vous voyez la structure. Si c'est trop rapide pour vous, vous n'avez juste qu'à mettre pause sur la vidéo et ça ira. Vous mettez ici un observer block et ici un deuxième. Et vous cassez celui-là. Et comme ça, l'observer block, il est face à celui-là. Et regardez. Donc, vous voyez, ça marche. Donc ensuite, tout là-haut, il va falloir mettre de l'obsidienne. Vous voulez que ce soit le deuxième étage. Oh non, je l'ai placé au mauvais endroit. Bon, c'est pas grave. Il sera là, le deuxième étage, d'accord? Donc, d'abord... Donc ici, il va falloir mettre 2 blocs juste là. D'accord. Et donc ensuite, le piston qui est là, au-dessus,
Donc, vous prenez un piston collant qui est face à l'observeur et qui est là. Ça donne ça. Et oui, ça commence bien. Et ici, vous posez le bouton que vous voulez. Ensuite, quand vous appuyez ici et que ça lâche, vous cassez le bouton. Ensuite, aïe aïe aïe, ça s'est démoli, sa mère. Car je me suis foirée. Parce que avant, comme vous l'avez vu, j'avais mis à la place de. J'avais mis ici un piston de l'obsidienne, donc ça a un peu foiré. Donc on refait le même truc. Bon, c'est pas grave, on a juste qu'à augmenter. Donc je vous retrouve dès que j'ai terminé d'arranger le petit truc là, cassé. Donc les amis, ça va, j'ai réparé le truc, rien de grave, il fallait juste que je fasse la même chose, mais un bloc plus haut. Donc ensuite, donc vous prenez un piston collant, vous le mettez juste à côté, et vous continuez de deux blocs comme ça. Et puis vous cassez ces deux. Puis ici, vous mettez un autre piston collant et vous cassez celui-là. Puis, vous prenez le bloc de quartz ou bien le bloc que vous avez choisi pour faire la petite plateforme qui va être pour la fin. Maintenant, il faut juste faire comme moi. Désolé, ma voix. Donc, ce sera l'entrée. Vous voyez, elle est belle, hein? Et puis, vous mettez vos blocs juste là. Et hop, voici la petite entrée. C'est cool, hein? Puis, ici, vous allez faire une plateforme. Et donc, ça, ce sera la fin. Où ça se terminera. Donc, en gros, le deuxième étage. Puis, vous posez ici votre bouton. Vous appuyez dessus, ça retourne. Et regardez. L'ascenseur descend. Donc, regardez. On attend qu'il arrive. Ok. Donc, vous cassez cet observeur. Mais pas les autres, hein. Donc, ensuite. Vous prenez ici un piston collant, vous le mettez juste là. Donc on va faire comme avant. Puis on casse ces deux. Puis on remet un ici. Et on casse celui qui est juste devant. Ok. Ensuite, vous prenez un bouton. Donc d'abord, il faut faire la plateforme, bien évidemment. Bien évidemment. Donc l'entrée est là. Vous pouvez faire aussi des portes avec des pistons et de la redstone. Mais attention que les systèmes ne se mélangent pas avec l'ascenseur. Ou bien vous n'avez juste qu'à faire comme ça. Ou bien moi, si vous voulez, à la fin, je vous ferai un petit bonus comment faire une belle porte. J'en connais une avec des blocs de commande. Donc vous mettez ici un bouton. Et maintenant, c'est terminé, les amis. Donc, vous appuyez juste là. Et hop, on monte. Regardez. Et maintenant, votre ascenseur est terminé. Elevator, pour les English. Donc, regardez. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un max de pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Et moi, je vous dis, on se retrouve pour de prochaines aventures. Ciao tout le monde. Bisous.